Coucou tout le monde, eh ben voilà, le soleil arrive, génial, 2 ou 3 degrés ce matin, mais très bon dans la tente, il faisait vraiment super beau. Daniel a eu juste chaud avec son duvet, moi j'ai crevé de chaud comme d'habitude avec mon duvet radioactif. Et là on est parti pour monter tout là-haut sur le col du Palais avant de redescendre dans la vallée de Rozuel. Allez, on est reparti pour un petit déjeuner. Maintenant pour notre célèbre pâté à cochon, hein, n'est-ce pas? En fait, du muesli avec, je crois que c'est du lait de brebis déshydraté. Il me semble que c'est ça. C'est ça, Dan? Et puis, ce matin, c'est fête, donc on va faire un peu de thé. Alors, autre chose assez étonnante, ce petit réchaud de gaz, on a pris la plus petite... bouteille de gaz, là, bonbonne de gaz, et ça fait 110 grammes de gaz, et ça fait 5 jours qu'on l'utilise. Alors au premier rayon de soleil, j'ai ressorti mon petit panneau solaire. Hier, j'ai rechargé mon téléphone complètement, l'iPhone. J'ai rechargé une batterie totale du Nikon Z6. J'ai rechargé deux batteries de la Hero 8. Et la montre de Daniel, une montre Garmin Forerunner. Donc, j'avais encore 3 diodes sur 4, puisque j'ai laissé le panneau au soleil. Alors, un des vrais problèmes, d'ailleurs, pour tous les campeurs, hein, en montagne en particulier, on a beaucoup de condensation liée à la rosée, et bah, c'est d'arriver à plier la tente sans qu'elle soit trop mouillée. Alors là, on attend un peu, mais on ne peut pas non plus attendre midi, encore que. Et puis, donc le soleil a fait un peu son œuvre, et Daniel finit par sécher. Bon, après, il ne faut pas oublier de rouvrir la tente si jamais vous rentrez chez vous comme ça, ne pas la remiser un petit peu humide, hein, parce que là, vraiment, ça moisit. Bon, nous, de toute façon, elle va ressortir ce soir. Donc nous voici au lac du Grataloup, qui devrait signifier, d'après nos petites recherches, et d'après ce qu'on m'a dit Daniel, donc si c'est pas juste vous adresser à elle, traque du loup. Donc à l'origine on devait arriver d'ici, là du col de la Tourne, mais le chemin est un peu abrupt, d'autant que l'autre partie, l'autre bout de chemin qui va au col du Palais, lui est carrément sous les éboulis, donc celui-ci ne tentait pas du tout. Donc le lac de la Plagne, je trouve plutôt... pas forcément bien nommé, ou en tout cas décalé par rapport à la Plagne, puisqu'on est dans la vallée de Rozuel, entre le col du Palais et la Pesenon-Croix, si pour ceux qui connaissent, hein, on est à peu près à mi-chemin des deux. Face à l'Aliette, alors l'Aliette est impressionnante de ce côté, bien sûr, hein, cette montagne juste en face de nous, mais de l'autre côté, je vous montrerai d'autres images tout à l'heure, et vous verrez que c'est une pyramide parfaite de l'autre côté, c'est encore. Alors notre petite rivière qui fait l'agrément du plateau au-dessus et la joie des vaches pour aller se tremper les pieds et boire s'appelle le Ponturin. Et alors il disparaît un petit peu plus bas, comme vous le voyez, là il y a un pont mais qui ne sert pas à grand chose, du moins à franchir un lit sec.
Par contre, dans le canyon, voilà, cette fameuse résurgence, vous voyez sur ces images, la source rejaillit. Que c'est beau, que c'est beau. Encore une fois, on ne sait pas où donner de la tête. Entre l'Aliette à gauche et le Pourri à droite. Un sentier, certes pas facile, avec beaucoup de rochers. Faire un peu attention où on met les pieds. Mais alors, quel panorama! Après ce joli troupeau de vaches, au milieu d'un plat de fond de vallée glaciaire, avec cette petite rivière qui coule. Et là, on est de nouveau dans le rocher, les amas de rochers, les éboulis. Et on se régale. Alors par contre, s'il y a bien un bout de chemin que je n'aime pas du tout, c'est bien celui-ci. Donc juste au-dessus du refuge de Rosuel. Et là, je dois bien avouer qu'on n'a que des gros rochers, des grosses marches, plus ou moins glissantes. Vous voyez, c'est vraiment inextricable. Et c'est pas très agréable. Hein. La marche est vraiment pas aisée du tout. Il faut être très très attentif. En plus, c'est assez fatigant. Et non, c'est pas mon coin préféré. Pourtant, le panorama est toujours aussi beau. Mais là, faites attention dans cet endroit-là à vos chevilles. Alors ça, c'est un reste de l'équipement qu'il y avait et des bâtiments qu'il y avait sur l'exploitation minière de la vallée de Rosuel et surtout de l'école des mines qu'il y avait également ici. Et ce sont des équipements qui datent du 18e et 19e siècle et qui restent donc maintenant à l'état de ruine uniquement. Alors là, pour l'instant, on change complètement d'environnement. On est dans une forêt de résineux qui va nous emmener au-dessus de Pesenancroix et pour remonter tranquillement vers les Bauches et ensuite la Plagne. Alors c'est vraiment un chemin formidable, très agréable, enfin doux sous les pieds. Ça change de cette descente interminable avant le refuge de Rosuel. Là c'est vraiment de la moquette toute douce sous les baskets. Et j'essaie de suivre tant bien que mal ma chèvre de femme, ou ma femme de chèvre, et ça monte. Et on est parti pour monter un bon petit moment. Voilà, et bien on continue notre petit chemin. Donc on va arriver à un endroit qui s'appelle la mine de Saint-Victor. Donc là, c'est fermé. Il y a des risques de chute de pierre. En fait, pour ceux qui connaissent, on n'est pas très loin de l'arrivée du Vanoise Express, le gros téléphérique qu'il y a entre la Plagne et les Arcs. Et effectivement, il y a une falaise qui est soumise à des éboulements assez régulièrement. J'espère que ça ne va pas emporter le téléphérique, un de ces quatre. Et en tout cas, il vaut mieux pas trop y traîner ses guêtres. Et ben oui, hein, on a fait plus de 1000 mètres, 1100 mètres de démoins ce matin. Et cet après-midi, c'est le D+. Voilà, j'arrive donc au hameau de l'Arc, côte 2000 mètres. Bon, petit hameau en piteux état, malheureusement. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc on a monté 500 mètres en 4 km. Donc les cyclistes apprécieront. Pour les autres, croyez-moi, c'était assez raide.
Alors là, les enfants, je crois qu'on tient le spot de l'année, le bivouac de l'année. On est donc... allez, je vous montre le panorama complet parce que là, ça vaut le coup. Donc là, c'est le grand cirque de la face nord du Dôme de Bellecote avec l'Aliette qui est là. On a ici, bien évidemment, le Mont Pourri. Ensuite, on continue avec les Arcs ici. Le Mont Blanc, il est dans les nuages là-bas. Tac, tac, tac. Voilà, super. Et si je vais donc au-delà de notre petite tente, il suffit d'avancer. Mince, je me prends les pieds dans le tapis. Il suffit d'avancer de quelques mètres. Voilà. Et là, on a un apic vertigineux. Ouais. Voilà mon balcon. Non. Ah, t'es pas vraiment au bord, là. Ça me va pas, moi, pour faire mes prises de vue. Voilà, vas-y en rampant. Rampe encore un tout petit peu. Voilà. Yes. Alors là, les enfants, tenez-vous bien. Je ne sais pas si vous mesurez l'effort titanesque. Il y a Jonathan qui doit savoir. C'est pas donné à tout le monde de mettre ses pieds au-dessus du vide. La réserve d'eau, elle est belle, mais c'est quand même pas la porte à côté, quoi. J'espère que tu m'as préparé un bon verre de limonade bien frais. Oui, évidemment. Oh, regarde, ouais, c'est déjà tout fait. Quelle merveille ce grand cirque de la face nord du Dôme de Bellecote, avec au premier plan à droite donc la pointe du Friolin, le Rodezin dans la foulée, ensuite la petite face nord. Toutes les faces, on va passer en revue la moyenne, le cairn, la grande face, le Valençan, le gros glacier, le pianiste, Pépin, l'Aliette. Je crois que c'est vraiment un des plus beaux spots de bivouac que j'ai pu trouver. Un balcon incroyable face à tout le Beaufortin, le Mont Blanc, les grandes Jorasses là-bas à sud que l'on voit. Bon, certes, il a fait un petit 0 degré cette nuit, mais on n'a pas eu froid du tout. On était vraiment très bien. Mais que rêver de mieux au réveil qu'un tel panorama avec la pyramide juste en face. C'est extraordinaire. Je vous souhaite de vivre des moments pareils. Marchez, bougez, sortez, randonnez, venez en montagne. C'est quand même un plaisir inouï. Alors bien sûr, j'ai pas besoin de le rappeler, hein, mais c'est toujours bon de le montrer. Quand on lève le camp, quand on repart, il n'y a aucune trace, rien, pas un papier. J'ai même été redresser toutes les marguerites que j'avais fauchées. Alors je crois qu'on va faire un petit changement de programme parce que la descente à partir de là-bas, là, sur la pointe, était vraiment vertigineuse. Je préfère essayer sur cette petite arête qui nous amène au pied de la pointe du Friolin et ensuite de rejoindre le Dérochoir. Donc là on est sur la petite crête entre la première bosse qu'on a montée au-dessus du lac des Étroits et puis on va se diriger vers... la base de la pointe du Friolin. On est au soleil levant, c'est magnifique. On a toute la vallée de Rozuel à nos pieds avec le Pourri en face. Après ce petit dôme en dessous de la pointe du Friolin, on va descendre là-bas en bas. Donc ça s'appelle les Bauches, avec le chalet du Friolin tout en bas. Quel régal! Alors, il faut savoir improviser en montagne, hein, c'est toujours comme ça. Si on ne le sent pas, il ne faut pas le faire, que ce soit l'été ou l'hiver. Et là, on va essayer de trouver un chemin. Donc,
de la base de la pointe du Friolin qui nous ramènerait vers le Dérochoir pour ensuite rejoindre le Carolet et remonter donc vers basculer vers les barrières, la piste des barrières. Ah, ça rigole plus là. Là, il y a de la pente. Bien, et ben belle galère cette descente en dessous de la pointe du Friolin. On est en pleine pampa, on n'a pas pu trouver de petits chemins. C'est vraiment genévrier, des rochers, de la pente. Pas simple. Donc, c'était pas une bonne option. Je vous conseille vraiment de prendre le chemin qui descend quand on est en dessous de la pointe du Friolin vers la droite et qui rejoint les Bauges directement. Là, c'est ce qu'on fait en ski l'hiver et c'est très bien l'hiver en ski sous la neige, enfin avec la neige. Là, c'est beaucoup moins évident. Alors, comme on dit, il faut s'accrocher aux branches. Allez Dan, bravo. C'est bien. Il y en a une qui ne me lâche plus. Bon, les enfants, on a trouvé, je ne sais pas, c'est une sente, un bout de chemin, quelque chose, enfin bref, on va peut-être survivre. Alors après les genévriers, les pentes fortes et les éboulis en dessous de la falaise du Friolin, ben pour finir, comme d'hab, le Friolin c'est toujours un régal, c'est la forêt inextricable. Bon là je vous la fais courte, hein, on est presque arrivé, il reste 150 mètres de dénivelé. Et ben non, le chemin il a encore disparu et là on est dans les marécages, on va se noyer. Bon désolé pour le contre-jour hein, les enfants, mais j'ai pas le choix. Là, c'est une cascade de boue. Et pourtant, on est à presque arrivé. Voilà, chalet du Friolin. Ah, ça n'a rien à voir avec la descente l'hiver en ski. Hein. Franchement, Friolin a gardé le ski au pied. Et ben, ça y est, on est en bas des Bauges, chalet du Friolin juste là. Je vous la fais courte, hein. On vient de tout là-haut, hein. La pointe du Friolin est là-haut, nous on est descendu ici et on a mis 2 heures pour descendre, d'abord dans du genévrier et des pierriers, puis ensuite dans la forêt, ensuite dans les sources. Waouh, sympa. Donc non, évitez. Magnifique là-haut, la crête, hein, vous l'avez vu, c'est vraiment très très beau, mais vraiment pas top. Allez, maintenant il nous reste une grosse remontée jusqu'à l'Arpette. Alors juste une dernière petite info, on a fait quand même 4 km 77 en 2h57. La vache, record battu. Alors c'est le troupeau d'animaux sauvages le plus important qu'on ait vu pendant toute notre randonnée. Vous voyez comme quoi, hein, des fois il faut faire attention, hein, ça peut être dangereux ces randonnées. À la sommet du télésiège des Crozats, on a basculé du domaine de Montchavin, les Coches, avec donc l'arrivée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, du bas du Friolin au chalet du Friolin, puis cette remontée longue, hein, 600 et quelques mètres de dénivelé. Eh bien, si là, c'est pas encore un beau point de vue pour casse-croûter légèrement, hein, un petit peu de viande séchée, un bout de chien peut-être, je sais pas, on verra, ou un bout de marmotte, et puis... On continue. On est au sommet du télésiège des Crozats. Il nous reste la descente jusqu'à Belle-Plagne, remontée à la Fruitière, le chemin des balcons. Je dirais une dizaine de kilomètres. Et puis, go! Alors, dernière rencontre de ce petit voyage fort sympathique de 4 jours. Si j'arrive à le convaincre de poser un petit peu, c'est pas gagné. Oh, bah, il est reparti. Un ami à 4 pattes. Qui veut absolument nous montrer la voie. Et ben ça y est, on est de retour, on est arrivé. Après ces 4 jours de balade intense et superbe, j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder ces belles images. On a fait, on ne sait pas encore exactement, on vous mettra les chiffres exacts en sous-titrage. Je pense que c'est au-delà de 80 km. Avec beaucoup de dénivelé, plein de choses merveilleuses. Mais alors on est fatigué. Et très sale. Donc sur et encore, vous n'avez pas l'odeur. Hein. Sur ce, on va aller se laver, on va boire d'abord, on va se laver. Et puis, on vous dit, ben, bougez, allez vous promener, amusez-vous en montagne, c'est tellement beau. Allez, à bientôt, ciao.